Bonjour les amis, comment allez-vous? Ouais, je sais, une veille, une avant-veille de Noël, c'est. Attendez. Ouais, c'est classe, mais c'est pour voir s'il n'y a pas du. Bah, j'aurais pu regarder dans la glace. Non, pas de rouge sur les dents. Le rouge n'avantage pas les femmes qui ont des lèvres fines, c'est-à-dire moi, surtout en haut. Et j'ai mis le rouge. Je te donne en mille, mille. Dites aux gens ce qu'il faut faire, mais ne le faites pas vous-même. Ça, c'est bien connu. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'était la minute. Bon. Oui, donc, nous sommes. Je tourne aujourd'hui, vendredi 23 décembre. Vous aurez cette vidéo dimanche, je pense. Ou aujourd'hui, je ne sais pas encore. On va la mettre dimanche. Ouais. Vous aurez remarqué effectivement que je fais peu de vidéos en ce moment, manque d'inspiration, manque de sujet et surtout manque de motivation. Et ça, je ne vous le cache pas. J'ai plus trop envie de faire des vidéos. Voilà, non. À part des vidéos courtes, ce genre de choses qui sont faciles à faire, sans prise de tête. Plus envie, mais surtout, j'ai pas d'idée. Oula, mon cou a craqué. J'arrête de secouer la tête comme un âne. Bâti, en plus. Vous remarquerez, j'ai un sublime blouson en simili-cuir, style Carpaccio, j'allais dire. J'ai parlé de retour de course. Style Perfecto, merci. C'est mon cadeau de Noël de la part de chérie. Vous me direz, on est le 23, comment? Bah oui, il me l'a donné ce matin, parce qu'il fait un temps doux. Et que cet après-midi, nous allons, je vais, enfin, il m'emmène, bien évidemment. Ah oh oui, vous aurez remarqué, pardon, mais j'ai un ongle sans vernis, c'est parti. C'est parti. Ouh là là, c'est pas focus aujourd'hui, c'est le bordel. Tant pis, c'est le bazar. Tout, 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 tout. L'éponge magique qui marche pour les vidéos aussi, vous aurez enlevé le gros mot. Je ne pense pas qu'il y ait des enfants qui regardent mes vidéos. Ça m'étonnerait vu l'âge moyen de mes abonnés. À moins que ce soit vos petits-enfants. Je pense que quand vous regardez mes vidéos, c'est votre petite bulle à vous. Florence, centralise. Ben, je suis perdue, ça y est. Donc, bref, aujourd'hui, une petite vidéo livre, je sais encore. Déjà, pour commencer, donc, du. Ça veut dire que l'intro est finie et on y va dans la vidéo bouquin. Comme d'habitude, enfin, j'ai acheté le 13 à table. Vous savez que je l'achète tous les ans, si vous me suivez depuis longtemps. C'est le livre qui est, je dis ça pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, ce qui m'étonnerait, c'est le livre qui sort chaque année en décembre. Pour aider les Restos du Cœur, c'est-à-dire un livre acheté, il coûte 5 euros. C'est un petit livre, d'accord, mais il coûte 5 euros. Un livre, l'achat d'un livre égale 4 repas servis. Moi, c'est mon petit geste de tous les mois de décembre de chaque année. Voilà. Même quand je ne pouvais pas trop, 5 euros ne me faisait pas trop boiter. Attention, je ne dis pas trop. C'est pas le cas de tout le monde. Je sais que parfois, on est à 5 euros près, même à 1 euro près. Attention, vous ne voyez pas là-dedans ni critique, ni avis, hein? Parce que, en plus, ça je le sais. Figurez-vous que moi, dans des. Et voilà, c'est reparti pour une deuxième intro. Moi, dans des années très difficiles, quand nous avions les deux enfants à la maison et qu'ils n'étaient pas bien grands, et que chérie n'avait pas un poste fixe, et que moi je n'avais que des CDD, on a vécu des moments très difficiles et j'ai bénéficié des Restos du Cœur. J'ai pas de honte à le dire parce que ça existe. Si vous en avez besoin, servez-vous-en. Parce que ça fait une bonne base de placard, vraiment. Et c'est très important une base de placard. Et surtout, il ne faut pas avoir honte d'être coincé à la fin du mois. Ou d'avoir besoin d'aide extérieure. Jamais avoir de honte à ça, parce que beaucoup de gens le sont sans le dire.
Donc il ne faut pas se croire un cas spécial dans ce cas-là. J'allais dire, il faut profiter des aides que l'on a à notre service. Profiter dans le bon sens, hein. Ce n'est pas profiter dans le mauvais sens, c'est-à-dire profiter, profite, profite. Non. Profiter, accepter les aides extérieures. Voilà. Il ne faut pas hésiter. Et je parle à toutes celles et ceux qui, sans le dire, en auraient besoin, mais n'osent pas franchir le pas. Faites-le. Écoutez, quand vous avez de l'argent, vous aidez. Quand vous n'en avez plus et que vous avez besoin d'eux, c'est un juste retour de choses. Il n'y a pas de honte à être pauvre. Pas de honte. J'en sais, je vous dis quelque chose. Peut-être qu'un jour, tiens, je ferai une story. Vous savez, comment ça s'appelle? Une story. Story, je ne sais pas quoi là. Pour raconter certains épisodes de sa vie. Je pourrais peut-être faire ça. Bon. C'est vrai que c'est sortir ses tripes, hein. Moi, ici, vous êtes habitués, si vous me connaissez, depuis les débuts. Parce que notre situation a beaucoup changé au fil des années, au fil des aléas de la vie, au fil des enfants présents ou partis, mais avec des besoins. On ne m'a pas parlé enfant parce que ça va me plomber. Donc, bref. Donc, j'ai acheté 13 à table. Et cette année, c'est sûr, le thème. Chaque année, il y a un thème. Celui-ci ne me convainc. Celui-ci ne me convainc guère. C'est la planète et moi. Moi, je suis consciente du fait qu'il faut faire des efforts et consciente du fait que c'est toujours les mêmes qui les font. Voilà, stop. On n'en parlera pas plus. J'ai pas envie de débat sur ma chaîne. La politique et ses ramifications n'ont rien à faire sur ma chaîne. Ma chaîne est une chaîne de divertissement. On est là pour se marrer le plus possible. Bien sûr, il y a des moments plus compliqués, comme partout. Mais moi, je veux vous apporter de la douceur, de la bonheur. Oh, je veux vous apporter de la douceur, la bonheur. Cette imitation n'imitait personne. Bref, surtout en ces temps de Noël, pour ceux et celles qui seront seuls ou mal accompagnés, parce qu'il y a ça aussi, d'abord, je vous aime plus que tout. Après, mes enfants et mes petits-enfants, hein, et mon chéri, bien entendu. Enfin, il n'y a pas d'échelle de valeur dans l'amour. Je me suis égarée. Donc là, le thème de 13 à table, c'est la planète et moi. Et nous avons dans ce livre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 écrivains de qualité, qui écrivent, on pourrait appeler ça un recueil de nouvelles, un petit peu, voilà. Bon, je l'ai commencé, j'en reparlerai quand j'aurai fini. Donc c'était, ça n'avait rien à faire avec, rien à voir avec la vidéo. Donc, là, je vais vous parler d'un livre extraterrestre. Merci Isabelle, Caroline, poète, poète, Isabelle Caroline de Lyon, mon amie, je t'embrasse très fort. Je t'enverrai un message pour les fêtes. Bref, c'est Isa qui m'a donné ce livre à chaque rencontre que nous avons toutes les deux. On s'échange des bouquins, de préférence des choses qui finalement sortent un peu de l'ordinaire de l'autre, pour l'aider à élargir son spectre, bien sûr, son spectre de lecture. Donc là, elle m'avait donné ce livre qui s'appelle Colza Mécanique. Colza, oui, comme le colza, mécanique. Le titre, c'est intrigant. Et alors, le nom de l'écrivain, c'est K. Plus loin, Brunk, Holmkvist. Mais il me semble en parler, c'est très bizarre. Si jamais je vous en ai parlé, pardonnez-moi, j'aurais fait un impair, comme d'habitude. Un impair pas meilleur. Bon, bon, bon.
Alors, ce livre, donc c'est l'histoire de deux mecs. Salut Coluche, au passage. Ah, j'aurais dû le dire aussi pour le Resto du Cœur. Bref. C'est l'histoire de deux frères. Des frères, comme on disait dans les temps anciens, comme on disait vieilles filles, c'était des vieux gars, quoi. Avait-il vu... Non, j'avais dit une horreur. Pas une horreur, d'ailleurs. On dit pour les filles, avait-elle vu le loup? Et pour les hommes, avait-il vu la... C'est tout. La... Miaou, miaou. Bon, vous avez compris. On ne sait pas. Donc, ils sont restés célibataires. Ils ont 68 et 73 ans. Ils vivent sur un terrain que leur a donné le comment ça s'appelle le... Excusez-moi, je vais chercher le nom. Le... Je sais pas. Enfin, si, je sais. Le... Pas le baron, mais le plus riche du village, il leur a donné. Il a donné la petite maisonnette très, très. Mon pou. Pas une masure, pas exagérée, et ils l'ont retapé comme ils ont pu, dans laquelle ils vivent très heureux. Ils ont du terrain, suffisamment, mais bon, ils vivent vraiment en reclus. Et ils s'aiment plus que tout. Ah, j'ai oublié de vous dire, ça se passe en Suède. Vraiment, je commence à beaucoup aimer les livres qui se passent dans les pays froids. C'est rare de ma part, moi qui suis une fille au sang chaud et qui aime les pays du Sud. Justement, ça me change, ça me rafraîchit quand j'ai trop chaud. Et voilà que dans leur ancienne maison de famille, il va, leur ancienne maison de famille va être transformée en maison de repos pour des femmes. Anciennes alcooliques, je trouve pas le mot, en centre de désintoxication pour les femmes. Voilà. Alors déjà, ça les intrigue. Des femmes qui viennent s'installer près de chez eux, dans leur ancienne maison familiale, c'est quand même déjà un truc qui va briser leur routine quotidienne. Leur routine, quoi. Leur routine quotidienne, c'est un peu un pléonasme. Leur routine. Et puis voilà-t-il pas qu'en plus, vient se rajouter à ça, des extraterrestres auraient atterri dans le champ de colza à côté de chez eux. Alors, quand tu lis la quatrième couverture, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous assure que c'est un bouquin hyper bien. J'ai eu du mal à rentrer dedans parce que justement, je n'arrivais pas à relier les choses. Alors, ce que j'ai aimé depuis le début, c'est la relation entre les frères. Ils ont une telle relation l'un avec l'autre, avec les souvenirs de leur maman tant aimée. J'ai adoré leur façon de vivre. Vraiment, j'allais dire clopin-clopant. Ouais. Ouais, un peu comme ils pouvaient. Leur vélo qui se dégonfle tout le temps, ils sont obligés de regonfler tous les jours parce qu'ils veulent aller au village. Chez la fille qui tient à l'épicerie, j'ai oublié son nom, bref, ça finit par un Y, ça je suis sûre. Pas Fanny, non. Bon, bref. Bon, ils mangent de façon plutôt aléatoire et frugale. Mais ils mangent, oh, ils se privent, enfin, ils se privent pas, si. Ils font attention à ce qu'ils mangent, et ce qu'ils mangent, des fois, ne fait pas envie.
Et surtout, tu imagines tout de suite l'intérieur de la maison, parce que la description est géniale. C'est. Ouais, enfin, moi, je m'y suis vue, quoi. Comme d'habitude. Enfin, d'habitude, dans les bons livres, hein. Et puis surtout, quand j'ai repris le livre de façon assidue, je me suis marrée à presque toutes les pages. Il y a un humour là-dedans exceptionnel. À rire tout seul quand tu lis le livre. Vraiment. Leur naïveté est telle que ça en est désarmant. Et ça, moi, j'adore. J'adore les gens simples. D'esprit, j'entends. Ou en tout. Oui, voilà, simple d'esprit. Je ne sais pas comment l'exprimer sans employer des mots qui peuvent être castrants. Castrants, c'est-à-dire mettre dans des. Non, je veux dire mettre dans des cases. Casants? Comprenez ce que je veux dire? C'est pas moi, si je mets les gens dans des cases, dis donc, dans laquelle je rentre. Il faut que je bouge les épaules pour rentrer dans certaines cases. Hein. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est un livre magnifique, génial à lire, vraiment. Quand tu lis la quatrième, je te dis, qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Maintenant, tu as la vie de Flo. Je te conseille vraiment de le trouver en bibliothèque, par exemple. Je ne sais pas où, Caro, tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé chez Décitre, chez. Oh, ça doit se trouver aussi chez Amazon. Oui, je n'ai pas peur de commander sur Amazon. Hein. Et écoutez, dans la vie, il faut encore une fois, tiens, ça relie au début de la vidéo, il faut profiter de tous les avantages que la vie nous offre ou qu'Internet nous offre. Commander sur Amazon, c'est pas bien parce que les salariés ne sont pas très bien traités. Tu penses à ça, tu vas plus nulle part. Bref, je vous le conseille à 1000% si vous aimez l'humour un peu. Non, pas un peu, un peu rien. On va dire l'humour fin. Parce que c'est ça, c'est un humour dont ils ne se rendent même pas compte. Ils parlent de quelque chose et derrière, toi, tu trouves un deuxième sens que les protagonistes n'avaient pas dans l'idée quand ils ont parlé. Vous me suivez? Voilà, donc je vous le conseille à 1000%. Et merci encore, mon Isa. Moi, je t'embrasse. Encore une fois, ouais, peut-être pas t'embrasser tous les 4 matins non plus. Alors, j'ai lu un truc que j'ai depuis très longtemps. Je pense que je l'avais pris dans une boîte à livres. C'est un livre de Nadine Monfils, tout attaché. Le titre, c'est, pardon, Clair de lune à Montmartre. J'aime beaucoup l'image. Je ne sais pas si vous la verrez correctement avec. Oh! On dit fait le focus au téléphone, et là ça marche, mais ça ne marche pas. Il doit y avoir une façon de faire, je ne sais pas. Pareil, c'est un livre que j'avais commencé, abandonné, par manque d'intérêt véritable. Alors, c'est un policier, on va dire, mais un policier tranquillou. Hein. Alors, c'est l'histoire de plein de vieux. Vous comprendrez pourquoi j'ai aimé. Enfin, de plein de gens vivant à Montmartre, et donc des gens plutôt hauts en couleur, voilà. Et l'histoire d'une maison de retraite où il se passe beaucoup, il y a beaucoup de morts. Et dans ce livre, il y a le commissaire Léon et son chien qui s'appelle Batmule, un truc dans le genre. Babelute s'appelle son chien, qui est un commissaire, on va dire, tranquille, voilà, qui se promène avec son vieux chien. Qui lui obéit une fois sur deux et qui adore aller dans les morgues. Non, dans les. Comment c'est ça? Dans les cabinets de médecins légistes,
Parce qu'il arrive toujours à manger un morceau de viande. Oui, voilà, c'est le genre d'humour de ce livre. Il est très drôle aussi. Bon, et puis, il y a une petite intrigue. Petite intrigue, hein, c'est pas un thriller. Hein. C'est plutôt une description d'un quartier. Montmartre, tout le monde connaît, mais on ne le connaît pas spécialement pour ce genre de choses. Donc, c'est une sorte de maison de retraite, de meurtre de vieux et de la vie des habitants de ce quartier. Voilà. Très sympa aussi. Je ne le recommande pas à 10 sur 10, hein, non. Mais c'est très sympa à lire, c'est court. Et voilà, ça se lit à la va comme je pousse. Et là, on rentre vraiment, vraiment dans un thriller que j'avais dû trouver aussi je ne m'en rappelle plus, soit dans une boîte à lire, soit acheté sur l'autoroute. Je pense que c'est plutôt cette version-là, acheté sur l'autoroute, je pense. C'est un livre de Hervé Lecor, le plus loin Cor avec deux R, qui s'intitule Traverser la nuit. Et il a été sélectionné par le Rivage des libraires en 2022. Bon, vous savez très bien que je m'intéresse pas au classement des livres, pas du tout. Édité chez Rivage Noir. Donc, c'est un livre noir, effectivement. Alors, c'est l'histoire de deux personnages qui vont se croiser. Une jeune femme qui a un petit garçon qui a fui son compagnon maltraitant. Et qui survit à un deuil terrible, le deuil, me semble-t-il, de ses parents. Bah oui, j'en lis tellement en ce moment que je me dis, oui, ça y est, c'est reparti comme en 14. Hein. C'est bizarre cette expression, sans déconner. Je regarde l'heure parce qu'à 14h, il faut que je sois à la bibliothèque. 13h. Non, attends. Le blouson, il me gêne. 13h20, il faut que je me bouille le trophignon. Luc, le fondement. Donc, c'est surtout Louise, on va dire les noms, qui a son petit garçon Sam, qu'elle élève seule suite à sa séparation avec son compagnon violent. Et en parallèle, nous avons l'histoire d'un commandant de police. Il est quoi, lui? C'est ça. Commandant de police qui s'appelle Jourdan. C'est un homme très taciturne, comme souvent les flics, hein, vous aurez remarqué. Sont soit taciturnes, soit alcooliques. Ah, je pourrais être un bon commandant de police. Là, 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 là. Florence, arrête de parler de toi tout le temps. Et donc, Jourdan, le commissaire de police, enquête sur des meurtres de femmes particulièrement sauvages. Ça se passe à Bordeaux. Ces deux personnes vont se croiser, mais c'est tout. Donc on a les. C'est un peu comme s'il y avait deux livres en un. Vous voyez? On a. Et ils ne parlent pas la même chose, attention. Hein. Louise, elle, les meurtres, elle ne s'en préoccupe pas particulièrement. Elle s'occupe de son fils et de se refaire une vie seule après tout ce qu'elle a vécu. Et puis on a Jourdan, paumé, hein, bien sûr. Bah oui, bien sûr, comme souvent dans les thrillers, bref. Alors, Christine Ferniaud de Télérama a dit au sujet de ce livre, un voyage au bout de la nuit puissamment désespéré par un maître du polar. Ouais, c'est noir. Et c'est noir, c'est pas sanguinolent, pas du tout, du tout, du tout. Et surtout, je ne me suis pas attendue à la fin. Vraiment, pas du tout. Il y a eu un twist, comme on dit, comme disent les experts et expertes en vidéo lecture, ce que je suis loin d'être.
Moi, je suis une lectrice qui donne son avis sur des livres. Point à ligne. Et puis, j'ai pas le temps, je voulais vous parler d'un livre plus. Ouais, beaucoup plus léger. Je vous en reparlerai ultérieurement. Là, c'est surtout pour les gens, soit qui ont un humour indéfectible et qui aiment ça. Donc, il y a des livres où il y a un peu de douceur, de rigolade. Il y a des livres plus durs, mais durs dans le sens. Oui, c'est ça. Durs émotionnellement. Oh, comment elle a bien causé la Monron. Et j'ai un livre dont il faut que je vous parle, qui lui est un excellent feel-good. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment beaucoup. Je vous en parle très vite. Voilà, sur ce, 25 minutes, j'arrive pas à voir. Sur ce, je vous aime, je vous adore, et je file à la bibliothèque, parce que j'avais pris 8 livres, j'en ai lu 6, et j'ai commencé les deux autres, mais ils n'ont pas plu. Donc j'ai quand même lu 6 livres, livre 6 litres. Lapsus révélateur. Point, 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 point. Oh, je suis drôle. J'arrive à se demander pourquoi je gueule si fort. Donc je vais à la bibliothèque chercher surtout des thrillers, parce qu'il me reste, je crois, plusieurs feel good, mais je ne sais pas lire que des feel good. Il me faut du sang, il me faut du lard, il me faut du gras, il me faut. Non, je rigole. Mais j'adore les thrillers. Sur ce, je pense que ce sera la dernière vidéo avant Noël. Peut-être même pour les fêtes, j'en sais rien, vous aurez la surprise. Sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous dis excellente journée et surtout, passez de douces fêtes avec vos aimés ou à deux ou seuls. Nous, finalement, nous serons trois au lieu d'être deux, donc ça sera plus festif. Mais bon, oui, non, ça ne sera pas en famille, de toute façon, maintenant. Curieusement, la famille s'étiole. Enfin, s'étiole. Les plus anciens n'existent plus. Les plus jeunes, c'est compliqué, très compliqué. Donc, je n'ai pas envie d'en parler et me gâcher mes fêtes à moi. Ça, vous le comprendrez. Sur ce, je vous dis ciao, ciao, je vous aime, je vous adore. Oh, je vous dévore. Allez, amusez-vous. Oubliez pendant un temps qui vous êtes. Oubliez. Non, pas qui vous êtes, ça, on n'oublie jamais celle qu'on est. Jamais, même l'ancienne flou, je ne l'oublie pas. Mais soyez heureux, mes frères et mes sœurs.